Non mais elles sont tarées, c'est pas vrai. Salut tout le monde, donc aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Donc pour vous faire un petit haul, donc bon j'ai pas acheté grand chose parce que bon ça sert un peu à rien. J'ai rien besoin d'acheter, mais j'ai quand même acheté des choses. Donc il y a combien de trucs? 5-6. Donc c'était pads et Decathlon, voilà, on s'est pas fait chier, on s'est pas cassé le cul hein. Donc on va commencer par c'est plutôt un haul, en fait j'avais démontré, je l'aime trop. Bon c'est un ancien club donc on pourrait cracher dessus, je rigole. Mais non en fait j'aime bien, j'aime bien les verts, les gros verts. Val. Mon lit, putain il y a des poils dedans. Oh merde, bonsoir. Toujours championnat de... Bah c'est pas... là c'est championnat de Lévilaine et là c'est championnat de Bretagne. En fait dans le truc d'arrivée si vous voulez, je remercie d'être venu, voilà j'y étais. Bah ils ont mis des bonbons Royal Horse et c'est trop trop bien parce que Royal Horse c'est trop une bonne marque. Et donc voilà. Des petits bonbecs. Et moi je ne vois rien. Il n'y en a plus beaucoup parce que ça part un peu comme des petits pains. Par contre ça sent vraiment la merde. Genre ça pue mon gars mais ça s'aimait surtout. Mais ils aiment ça. Même mon chien aime ça donc ça peut vous dire. Ouch. Bah c'est bon ils sont tous pétés là. Ensuite on va aller vers... On va aller... Vers Decathlon même s'il y a plus de... Il y a plus de trucs à Decathlon mais c'est pas grave. Donc tout d'abord, un petit peu la base j'ai envie de dire. Mon père m'a acheté les prix, en fait je lui ai dit... J'ai plus de bonbons et du coup il m'a acheté des bonbons. Mais il a pas pris de goût, genre ses goûts. Ses goûts plantes quoi. Genre bien d'auto avec ça. Et j'aime bien les fruits rouges parce que genre, ça sent trop bon. Et ça. Malheureusement ça pue. Ça pue. C'est des bâtons quoi, pas ça fait. Des petits bâtons. Donc en 1 kg, hein. Toujours mon père m'a acheté de petites paires de chaussettes. Donc en fait moi je voulais pas les chaussettes de cette couleur là parce que je n'ai pas d'ensemble de cette couleur là. Mais finalement en fait mon pantalon noir qui a complètement décoloré retombe cette couleur là. Donc ça va avec. Et ça gris c'est pour les concours. J'ai même pas dit les prix. Bah les friandises bah, c'est genre 3,95€, j'en sais rien. Et les chaussettes du coup c'est 9,99€. Voilà les chaussettes on est tous heureux. Mais elles sont hyper douces en fait. C'est trop bien. Quand elles sont neuves elles sont douces. Maintenant après elles râpent et tout mais à la base elles sont douces. Un nouveau pantalon d'équitation, enfin, c'est même pour finir en décathlon. Putain, ça va trop vite cette vidéo. Faut que je me calme. Taille S, mais en fait c'est trop grand. Parce que c'est taille adulte et c'est trop, beaucoup trop long en fait. Et même là, les hanches, pourtant je fais du S, genre 36, moi. Et c'est trop long. Enfin, c'est trop, un peu trop. Voilà. J'aime bien que ça sert pour l'équitation. Donc il est beige avec une petite poche ici. Et attendez, j'ai. Ok, l'étiquette où il n'y a absolument rien dessus. Et je crois qu'il est à 20€. Il était à 19,99€, il n'y a pas le prix mais je me rappelle. Et donc voilà comme il est. Et en fait là il y a des petits renforts et je trouve ça trop trop chou. Alors j'aime trop. Ça fait pas trop un pantalon basique. Et il n'y a pas de scratch comme mon pantalon en pantalon imperméable. C'est trop trop bien. Donc voilà. Et enfin, dernier truc. De chez Pad. Donc ce sont des étriers et des étrières bien sûr. Que j'ai acheté au salon du cheval, bien sûr n'importe quoi. Donc que j'ai acheté au championnat de Bretagne, parce que je vais pas à PAD. Voilà. Bon, on m'a toujours dit, on ira à PAD un jour. J'attends toujours ce jour en fait. Ah, je me suis fouettée. C'était oh, ben d'accord, super. Ce sont des étriers Composite. Mais le bon côté Justine, merci. Composite marron, avec la semelle noire, mais la semelle on peut la changer et il faut que je trouve une semelle bleue pour aller avec mon équipement. Et donc en fait je sais pas si vous voyez mais genre là ça se baisse pour que le pied soit incliné. C'est trop trop bien, j'aime trop. Quand je repasse aux étriers normaux je suis totalement perdue. Et donc avec mes étrières qui sont en 145 mais en fait c'est beaucoup trop grand du coup on part à refaire des trous. Super Justine. Donc voilà. Les deux c'est les mêmes hein, je vais pas payer plus. Voilà pour cette petite vidéo. Donc c'était hyper court, je suis désolée, je suis allée à fond, en même temps j'avais plus beaucoup de batterie, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et passez de bonnes vacances. Bye!